Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau bulletin d'actualité de la Cagouille Céleste. Actualité astronomique pour la période du 1er au 10 juillet 2021, soit la quatrième phase de la troisième lune de printemps. C'est la fin des lunaisons de printemps, car nous sommes dans l'été depuis le solstice, mais les lunes, c'était encore des lunes de printemps, donc elle va prendre fin le 10 juillet avec la nouvelle lune. Je rappelle que la précédente nouvelle lune était le 10 juin avec une éclipse annulaire de soleil dont on va revoir une ou deux images et dont on reparlera peut-être dans les commentaires tout à l'heure. Donc tout d'abord, nous allons voir ce que nous allons pouvoir voir dans le ciel cette semaine et dans la deuxième partie, je ferai une petite chronologie de tous les faits célestes de cette période, qui est assez longue, puisque la Lune passe à l'apogée, donc ça étire la durée de la phase lunaire, tandis que quand elle passe au périgée, ça la rétrécit, donc on varie des fois 6 jours et là 10 jours. Enfin bon, le dernier quartier advient le 1er, donc juillet, à 23h10, et la nouvelle lune, le 10 à 3h16. Ça fait en réalité 8 jours et un peu plus. Et en troisième partie, on regardera les quelques images et on commentera l'actualité astronautique qui est toujours de plus en plus riche et qui, je crois qu'il est très important de se tenir bien au courant de ce monde en pleine mutation. Là, ça y est, on est vraiment parti dans l'espace et sur Mars. Tous les pays sont investis. C'est vachement important, en fait. Bon, allons-y, je partage. Je vais sur Stellarium. Ça devrait suffire pour commencer. Tu vois Stellarium, Michel? Oui, c'est ça bon. Ça s'affiche. Là, nous sommes le soir du 1er juillet, donc, à 20h22. Donc voilà, le soleil, n'est-ce pas, du côté ouest-nord-ouest. Je mets un horizon océan, comme ça on n'est pas gêné par la végétation ni le relief. On voit les astres jusqu'à l'horizon. Pour observer leur lever et leur coucher, c'est ce qu'il faut. Car si vous cherchez un lieu pour observer le lever et coucher des astres, de toute façon, il faut que vous trouviez un lieu dégagé. Donc, vous voyez, à 20h20, il est encore à 11 degrés de hauteur. Donc, on va l'accompagner dans son coucher. Il va donc se coucher à, pour ma localisation, bien sûr, à 44 degrés 30 minutes de latitude nord. Il va se coucher à 21h38. Il s'est couché à 21h38 depuis le 21 juin, je crois. Et maintenant, les jours commencent légèrement à diminuer, en particulier sur le matin, car les jours les plus longs sur le matin, les levées de soleil les plus précoces ont eu lieu avant le 21 juin à cause de l'équation du temps qui décale maintenant vers l'après-midi. Et donc, les couchers de soleil les plus tardifs ont lieu entre le 21 juin et le 1er juillet, grosso modo la semaine qui vient de s'écouler. Donc, jusqu'au 1er juillet, il se couche à 21h38 là, pour ma localisation. Alors, bien entendu, il faut attendre un petit peu pour qu'il soit bien couché, pour commencer à voir quelque chose dans le ciel. Quoique vous remarquerez que Vénus, dès que le soleil est passé sous l'horizon, on peut la remarquer. Bon, tant que le ciel est clair, il faut savoir où elle est, mais elle est visible. Donc, nous voici une heure plus tard à 22h50. C'est bien l'heure qu'il faut pour qu'il commence à faire nuit. Et nous voyons Vénus et Mars toutes proches, car elles se rapprochent de jour en jour. On va faire le petit test de jour en jour. Donc nous sommes ici le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, elles vont être conjointes le 13. Bon, je reviens sur le 1, 1er juillet pour commencer. Donc, Mercure et Vénus vont être conjointes le 13. Là, je crois qu'on a Castor et Pollux. Voilà, Pollux et Castor des Gémeaux, et qui sont en train juste de se coucher, voyez, au nord-ouest. Alors voilà le ciel de début de nuit côté ouest-nord-ouest avec les planètes
Mars et Vénus qui sont devant la constellation du Cancer. Je vous rappelle que la semaine dernière, nous avons vu Mars passer, alors survenir quelques jours en arrière, voilà, c'était le 24, Mars passait devant l'amas de la crèche. J'avais mis quelques belles photos. Et c'est au tour de Vénus qui va y passer maintenant, c'est le 3. Elle est conjointe à son tour à l'amas de la crèche, mais ça va être, alors la brillance de Vénus sera remarquable, mais l'amas, même avec des jumelles, ça va commencer à être difficile parce que vous voyez, le ciel est bien clair. Donc ce ne sera pas hyper spectaculaire, mais c'est très intéressant à remarquer. Donc Mars était conjoint à l'amas de la crèche le 24 juin et Vénus le 3 juillet. Et les deux planètes vont être conjointes le 13 juillet. Alors, on avance un petit peu, on va aller jusqu'à minuit pour avoir un ciel sombre, voilà, à peu près. Hein. Et donc, c'est l'heure où se couche le lion, voilà, puisqu'on est du côté du couchant. Se couche le lion et au-dessus du lion, on a la grande ourse qui part vers le nord, qui va raser l'horizon nord au cours de la nuit, tandis que le lion, lui, se couche et réapparaîtra du côté est-nord-nord-est. Plus tard, il fera jour. Okay. Donc on tourne vers le nord, allez, on tourne vers le nord, donc on voit notre grand ours qui pique du nez, hein. Il est minuit, et ben, si j'avance de quelques heures, voilà, on voit comment est fait au cours de la nuit, je me remets à minuit, enfin minuit moins 10, donc je réduis un peu. On voit donc à droite, on a Cassiopée et ses fées qui montent. On a la petite ours qui est toute droite debout sous le dragon dont la tête est presque au zénith. Pas loin, vous voyez le zénith ici. La tête du dragon ici qui forme un losange en fait avec le bout du bras d'Hercule là. Vega qui brille très fort et qui passe au méridien à minuit le 1er juillet, la nuit du 30 juin au 1er juillet, et Hercule qui fait ce petit trapèze là et qui est pratiquement au zénith là. Il faut vraiment, il n'y a qu'en étant couché par terre qu'on les voit là, sinon on se tord le cou. Alors redescendons vers le sol à l'horizon, donc maintenant on va se tourner vers l'est, on voit que est-nord-est, on a Pégase et Andromède qui se lèvent. En dessus, il y a le Cygne qui s'élève. Et donc, il y a Vega qui est très haut. Et Vega, Deneb du Cygne ici, et Altaïr de l'Aigle forment le grand triangle de l'été qui, de soir en soir, est plus haut en début de nuit. Donc, puisque du côté de l'Est, nous voyons que ce qui se lève. Donc, minuit, Saturne est levée parce qu'elle se lève maintenant aux alentours de 23h20. Saturne est déjà levée. On a le Sagittaire qui s'apprête à culminer. Maintenant, c'est plutôt le Scorpion à minuit hein, qui passe au méridien dans toute sa splendeur, même s'il est bien bas pour nos horizons, c'est donc l'étoile Antarès du Scorpion. Au-dessus, on a Ophiuchus, le Serpentaire, et donc en bas à gauche, le Sagittaire qui s'élève. On va tout de même aller une heure plus tard dans la nuit, parce qu'on va regarder, je me mets sur Saturne, le lever de Jupiter, vous voyez, aux alentours de 0h Jupiter cette semaine. Et puis après, dans la foulée, on va avoir Neptune. Alors, une heure plus tard, on va aller chercher Neptune. Voilà, qui est là. Vous admirez toujours que Jupiter, Saturne, Jupiter et Neptune nous tracent l'écliptique. Et donc, à partir de cette semaine, Neptune commence à être observable. Je vais avancer de quelques jours. Et puis, on ira s'occuper de la Lune après, rassurez-vous. Vous voyez, on a fait le tour du ciel à 0h, elle n'est pas là. Il n'y a pas de Lune pour l'instant, hein. C'est la dernière phase de la lunaison, donc du dernier quartier à la nouvelle lune. Donc elle se lève aux alentours du minuit vrai, donc soit 2h du matin, et elle culmine au lever du soleil. Donc on va la suivre tout à l'heure de fin de nuit en fin de nuit, chaque jour un peu plus tard, pour suivre l'évolution de son croissant. Mais là, nous revenons
sur Neptune. Donc, on va aller autour de 3 heures du matin, 3, 4 heures maximum. Neptune est observable maintenant. Elle s'élève suffisamment haut au-dessus de l'horizon pour qu'il y ait de l'intérêt déjà à la trouver et à l'observer. Alors, je grossis un peu sur Neptune. Vous voyez, elle est entre la tête des poissons ici et la jambe en quelque sorte du Verseau. Il y a Phi Aquarius, là. Une petite cascade de 3 étoiles facilement identifiable si le ciel est propre. Et donc, elle est là. Et alors, de semaine en semaine, on va la voir évoluer. Voilà, en ce moment, elle est à côté d'une étoile qui est pas très, dont on a, j'ai pas marqué le nom. Voilà, elle est toujours devant la constellation du Verseau. Donc voilà, si vous voulez observer Neptune, eh bien, on peut commencer. Et il y a Uranus qui suit. Alors, un peu bas encore, vous voyez, elle se lève à 3h50. C'est pas aux alentours de 3h50, là, c'est le 9, oui. Donc, la semaine prochaine. D'ailleurs, la Lune va être conjointe à Uranus, eh bien, cette semaine, eh bien, c'est le dimanche 4. Alors, je reviens en arrière jusqu'au dimanche 4. Et nous voyons la Lune. Je vais lui donner son. Grossir la Lune, ça permet d'afficher le croissant. Voilà. Même si la taille est exagérée par rapport au reste. Donc, le 4. En fin de nuit, on peut admirer le croissant de lune qui est juste à droite d'Uranus. Et le lendemain, le croissant de lune est un peu plus fin et il est en dessous d'Uranus. Ça nous permet, le 4 et le 5, de suivre un petit peu Uranus, d'autant qu'elle est pile sous l'étoile Amal de la constellation du Bélier, qui est ici. Là, il est presque 4 heures du matin. Voilà, donc ça, c'est le 5. Alors, je vais revenir jusqu'au 1. On va se mettre sur la Lune maintenant. Et on va revenir au 1er juillet. Et on va la suivre de jour en jour. Donc, le 1er juillet, elle se lève. Elle se lève 1h40, elle se lève le 1er juillet. Le 2 juillet, il va falloir attendre un peu plus. Elle se lève à 2h01, 1h40, j'ai dit, il n'y a que 20 minutes, se lève 20 minutes seulement plus tard que la veille. Le 3 juillet, eh ben, il faut attendre un peu plus, bien sûr. Elle se lève à 2h19. Bon là, 20 minutes, pareil, même pas 18 minutes par rapport à la veille. C'est-à-dire qu'elle monte en latitude. Donc elle grignote. On la voit de plus en plus du fait qu'elle monte en latitude nord. Donc c'est intéressant pour nous. Elle monte en déclinaison nord. Elle va sortir des limites zodiacales. Donc elle est très haut par rapport. Elle monte tout au long de la semaine. Donc en fait, ça raccourcit le décalage de jour en jour de son lever. Continuons. C'était le 3. Voilà le 4. Le 4. À quelle heure se lève Madame la Lune? Le 4. La Lune se lève à 2h40. C'est que il faut étaler. La nuit est courte. Elle a que entre le minuit et le lever du soleil pour se lever du dernier quartier à la nouvelle lune de toute façon. Donc ça fait des intervalles assez courts, d'autant qu'on a 9 jours. Donc le 4, 2h40. Le 5, elle, c'est là qu'elle est conjointe à Uranus, le 4 et le 5. 3h02, elle se lève. Le 6. Trois heures 28, 26 minutes de décalage. Elle est maintenant devant le Taureau. On voit les Pléiades ici, donc nous sommes le jour où elle est conjointe aux Pléiades. C'est ce petit amas d'étoiles là. Je grossis un peu, vous voyez. Ici, les Pléiades, donc c'est le 6. Donc au matin du 6, on peut voir le beau croissant de lune
conjoint aux Pléiades. Et 20 heures plus tard, elle est conjointe à Aldébaran. Donc, le lendemain matin, elle va se lever à 3h58. Là, ça rallonge quand même parce qu'elle est maintenant devant le taureau. Et donc, elle est conjointe à Aldébaran qui est ici. On la voit à gauche d'Aldébaran le 7 au matin. Il faut attendre presque 5 heures, même déjà le 8. Excusez-moi, le 8. Alors, je reviens, j'ai dû faire un jour de trop. Le 7, donc conjointe à Aldébaran, c'est bien ça. Le 8, conjointe à Mercure. Mercure qui est visible dans le ciel du matin, qui arrive à son élongation maximale le dimanche 4. Donc, élongation ouest par rapport au soleil, puisqu'elle est, on la voit avant le lever du soleil. Et donc, le 8 au matin, aux alentours de 5 heures, eh bien, on peut apprécier Mercure et le fin croissant de lune. Ça va faciliter le repérage de Mercure qui devient visible jusqu'au 20 juillet à peu près. Donc, profitons-en du 8 au 20 juillet pour voir Mercure à l'horizon est-nord-est le matin. On continue, ben, bientôt on ne va plus voir la Lune, hein. Le croissant est de plus en plus fin, vous voyez, ça c'est déjà, donc le 8, eh bien, on peut dire que c'est le dernier croissant, on aura un ultime croissant le lendemain, le 9, à 5h45, avec un instrument des jumelles. On peut espérer encore pour chez nous voir cet ultime croissant de lune. Je crois que c'est on a pratiquement le dernier pour toute la planète. Et puis le jour du 10, c'est le jour de la nouvelle lune. Donc je vous ai dit qu'elle advenait à 3h16 du matin. Eh bien au soir, l'Algérie, la Tunisie et la Libye bénéficient du premier croissant de la nouvelle lunaison. Ben voilà pour la Lune, on a fait le tour parce que le 10, on ne la voit plus du tout puisque c'est la nouvelle Lune à 3h19. Donc voilà pour le parcours de ce qu'il y a à voir dans le ciel cette semaine. J'arrête ce partage. Je vais prendre le document. Je vais faire un nouveau partage. Donc je vais faire écran. Et nous allons aller sur le PDF. Voilà, comme ça, j'oublierai rien. Il faut mentionner des étoiles filantes. Il y aura quelques étoiles filantes, n'est-ce pas? Normalement, hein, du côté de Pégase, essentiellement, du lézard qui est là-haut avec la grande ours et vers le lion, la grande ours, tout ça. Donc... le ciel ne va pas être triste sans lune si c'est dégagé. Bon, la nuit noire est très courte, il n'y en a pas encore au-delà du 48e parallèle nord. En dessous, elle est encore bien courte, mais on a la splendeur de la Voie lactée. C'est un très beau début d'été si la météo veut bien être de la partie, ce qu'on commentera un petit peu plus tout à l'heure. Alors, on va regarder... la chronologie, à moins que Michel, tu aies quelques questions. Non, moi ça me va très bien, je suis là. Ah, chic. Eh bien, donc cette quatrième phase de la troisième lune de printemps, du dernier quartier le 1er juillet, 23h10, à la nouvelle lune le 10 à 3h16. Donc, on attaque le jeudi 1er, la lune rentre dans le signe du bélier, ça attaque le mois de juillet à 3h21. Ah oui, ensuite, elle arrive devant la constellation de la baleine à 13h49, ce qui fait qu'elle se trouve devant la constellation de la baleine à 23h10 pour le dernier quartier. Nous avons en héliocentrique à 13h23 le 1er juillet, Mercure conjoint Jupiter. Et toujours le 1er juillet, après le dernier quartier qui a lieu à 23h10, la Lune passe en déclinaison nord à 23h45. Donc c'est pour ça qu'elle va monter de plus en plus, ce qui fait que déjà qu'elle est dans des signes de courte ascension, ça lui fait des décalages d'un jour à l'autre dans son lever
ridiculement étroit de 20 minutes. C'est vraiment un très petit minimum. Normalement, c'est entre une demi-heure et une heure et demie qu'elle se décale par jour. Et en moyenne, une heure. Donc 20 minutes, c'est vraiment très, très peu. Jeudi 2, la Lune arrive devant la constellation, revient à nouveau devant la constellation des Poissons à 12h26. Ce n'est pas qu'elle recule, mais c'est que la découpe des constellations fait qu'à un moment, elle est devant la baleine, après, elle est devant les Poissons, redevant la baleine, et ensuite, ce sera le Bélier. Donc, samedi 3, en héliocentrique, Mercure rentre dans le signe des Poissons à 12h59. En géocentrique, Vénus est conjointe à l'amas de la crèche. Et la Lune entre dans le signe du Taureau à 14h27. Et elle arrive à nouveau devant la constellation de la Baleine à 20h37. Dimanche 4 juillet, Mercure opposé Mars en héliocentrique à 2h59. Et à 5h15, toujours le dimanche 4 juillet, Vénus atteint sa latitude maximale en héliocentrique. Donc c'est toujours la même, c'est 3 degrés 23 minutes par rapport au plan de l'écliptique en héliocentrique. C'est la valeur de son inclinaison, de l'inclinaison de son orbite sur le plan de l'écliptique qui est lui le plan Terre-Soleil. Le plan Soleil-Vénus est incliné de 3 degrés 23 par rapport au plan Terre-Soleil. Donc, latitude maximale en héliocentrique, nous allons voir que avant ou après, là, ce coup-ci, c'est après, elle atteint aussi sa latitude maximale en géocentrique. Ça devient un peu plus tard dans la semaine. Dimanche 4, toujours en géocentrique, la Lune est conjointe à Uranus à 18h39. Voilà pourquoi on peut l'apprécier le 4 au matin et le 5 au matin. Le 4, la Lune est à droite. Le 5, la Lune est à gauche. Toujours dimanche 4, c'est là que Mercure atteint son élongation maximale à 21h44, 21 degrés 33 minutes à l'ouest du Soleil. C'est l'écart maximal qu'elle a avec le Soleil, c'est pas beaucoup. Ben, maximum, elle peut atteindre 28, là 21. Elle va devenir donc observable, particulièrement à partir du 8, parce qu'elle est conjointe à la Lune, donc ça facilite, les deux se facilitent mutuellement le repérage en fait. On verra le 8 là. Puisqu'on a un très fin croissant de Lune et on a un Mercure dont l'éclat augmente aussi, ce qui va faire en sorte qu'on pourra la voir jusqu'au 20 juillet à peu près. Nous arrivons au lundi 5. Ah, entre-temps, la Lune est arrivée devant la constellation du Bélier, oui, puisqu'elle est conjointe à Uranus. Voilà, c'est marqué là. Lundi 5, la Lune est à l'apogée à 16h46, ça veut dire au plus loin de la Terre. Voilà pourquoi elle prend son temps dans cette phase. Mardi 6, c'est le Soleil qui est à l'apogée, c'est-à-dire qu'on est au jour de la plus grande distance annuelle Terre-Soleil, c'est-à-dire que la Terre est à l'aphélie. Soleil apogée ou Terre aphélie, ça veut dire la même chose dans la relation Terre-Soleil. Apogée, c'est au plus loin de la Terre, le Soleil. Aphélie, au plus loin du Soleil pour la Terre. Donc, c'est environ 152 millions de kilomètres. La distance moyenne est de 149,800 quelque chose. Et donc, c'est le moment de l'année où on est au plus loin du Soleil. Ça varie entre le 2 et le 6 juillet. Ça dépend aussi de la Lune qui fait varier le barycentre Terre-Soleil. Mardi 6, la Lune entre dans le signe des Gémeaux à 3h23. Elle est maintenant devant la constellation du Taureau. Et donc, dans la foulée, elle est conjointe aux Pléiades, mardi 6, donc, à 3h45. Donc, on peut le voir dans le ciel en fin de nuit, les Pléiades qui marquent de nos jours le premier degré du signe des Gémeaux. Mardi 6, toujours, en héliocentrique, Vénus est opposée à Neptune, 22e degré, Vierge-Poisson, à 23h36. Et à 23h51, toujours le mardi 6 en géocentrique, la Lune est conjointe à Aldébaran, l'étoile alpha du Taureau, à remarquer donc le 7 au matin. Mercredi 7, la Lune est à son nœud ascendant à 0h39, donc c'est le mardi 6 en temps universel. Moi, je marque tout en heure de la montre. Le mercredi 7, elle sort des limites zodiacales à 14h18. Elle grimpe vers le nord.
Donc, elle dépasse la déclinaison maximale du Soleil. Elle dépasse 23 degrés 26 minutes et elle monte encore. Mercredi 7 à 19h46, Mercure achève sa boucle de rétrogradation car elle avait été rétrograde du 30 mai au 21 juin. Elle était revenue du 25e degré au 17e degré du signe des Gémeaux. Donc, elle repasse au point où elle a entamé sa rétrogradation. Donc, on dit qu'elle achève sa boucle de rétrogradation, mercredi 7. Jeudi 8, la Lune est toujours devant la constellation du Taureau, qui est grande, large. Et elle est conjointe à l'étoile Elnat, donc bêta du Taureau, qui marque la jonction avec l'étoile du Cocher. Et donc, on sait qu'elle approche de sa déclinaison maximale quand elle est conjointe à Elnat. À 1h38, donc, à remarquer le 8 au matin. Jeudi 8, toujours à 14h26, Mercure conjoint Neptune en héliocentrique. On regardera tout à l'heure dans les thèmes ce que ça fait. On a Mercure conjoint Neptune d'un côté, Vénus de l'autre. Il y a des oppositions et Mars, Vénus et Mars de l'autre. Donc, toutes ces planètes sont réciproquement en conjonction-opposition. Il y a beaucoup d'aspects cette semaine. Nous sommes toujours jeudi 8 et le dernier croissant de lune est visible à 5h38 à l'œil nu. Et on peut encore tenter sa chance le lendemain pour le dernier croissant, le 9 au matin, peut-être avec un instrument. Il faut le choper à 5h45, il est de moins de 1% et il n'est plus que 20h. Et 21h et quelques avant la nouvelle lune. Donc, fin. Mais le 8 au matin, je reviens, donc jeudi 8 au matin, c'est là qu'il est conjoint à Mercure et que ce fin croissant et Mercure qui gagne un peu en brillance peuvent s'aider mutuellement à être visibles. Ça peut être très joli. Ensuite, le jeudi 8, la lune rentre dans le signe du Cancer à 15h50. Puis en géocentrique à 23h59 pour clore la journée, Vénus atteint sa latitude maximale en géocentrique cette fois-ci. Et là, la valeur est variable, ça dépend de l'angle, de la distance. Donc en héliocentrique, c'est toujours 3 degrés 20 et quelques minutes. En géocentrique, c'est variable et là, c'est 1 degré 40 qu'elle est au-dessus du plan écliptique en géocentrique. Ensuite, donc, elle redescend en latitude. Vendredi 9, la Lune est donc à son dernier croissant. On a la chance d'avoir pratiquement le dernier croissant, l'ultime croissant de la lunaison, donc des jumelles. Elle atteint sa déclinaison maximale, ce qui facilite pour nous sa vision, puisque c'est 25 degrés 37 nord. Donc, pour l'hémisphère nord, ça facilite. Donc, déclinaison maximale à 12h04, vendredi 9. Vendredi 9, toujours 11h52, en héliocentrique, Mercure opposé Vénus. Les deux rapides qui se courent un peu après en héliocentrique, et donc, ce n'est pas si fréquent que ça, mais c'est assez rythmé. Samedi 10, nous arrivons à samedi 10, à 3h16, c'est la nouvelle Lune. La Lune est donc maintenant devant la constellation des Gémeaux. Et la nouvelle lune a lieu au 19e degré du signe du Cancer, à 3h16 donc. Elle est très haute en déclinaison, hors limite zodiacale, puisqu'elle va y rentrer le 12. Samedi, donc après ça, après la nouvelle lune, le samedi 10 à 8h52, Mercure arrive dans la constellation d'Orion. Elle va y passer 3 jours, puis 2 jours, puis après elle arrivera devant les Gémeaux. En héliocentrique, Mercure, signe Bélier, rentre dans le signe du Bélier à 12h47, donc nouvelle lune, première lune d'été. Mercure rentre dans le signe du Bélier en héliocentrique. Allez, ça va y avoir des. Ça marque un renouveau, ça. Cette nouvelle lune est conjointe à Pollux, mais donc on ne voit pas Pollux, hein, puisque le Soleil est devant. Il y a aussi la Lune. Lune, Soleil et Pollux. On ne voit pas Pollux. Samedi 10, encore, à 21h30, c'est Mars qui arrive devant la constellation du Lion, qui va y passer jusqu'au 5 septembre. Voilà pour la chronologie. Ça va, Michel ? Très bien. Bon, très, nickel. Très bien. Je vais aller chercher les images un peu que j'ai rassemblées.
Je repartage mon écran pour voir les images. Yes. Sur fond blanc, c'est pas top, mais enfin, vous les verrez sur l'article. Hein. Donc, ça, c'est la Voie lactée, le scorpion, Antarès, les pinces du scorpion. Depuis le Lingas, c'est dans les Cévennes, par Guillaume Cana, le champion, un des plus grands artistes de photos. Alors, il est très amusant parce qu'il fait des horoscopes. Mais ils sont hilarants, ces trucs. Il faut les lire, il faut aller sur sa page et les lire. Alors, il a, bon, dommage, ouais. Il confond signe et constellation, mais ce qu'il fait, c'est très rigolo. C'est plein de sensibilité. On voit que la sensibilité astrologique, elle passe partout. Mais c'est assez. Je me suis bien marré à les lire. Voilà, Abel, je ne sais plus combien, un amas de galaxies dans Hercule, dans la constellation d'Hercule. Qu'on appelle, à ne pas confondre avec l'amas globulaire qu'on appelle l'amas d'Hercule. Là, c'est un amas de galaxies dans la constellation d'Hercule par un de nos champions de l'astrophotographie du Sud-Ouest que je vois dans les Ricards, qui s'appelle Siegfried, qui nous fait des photos. Quand je vois qu'il signe une photo, là, je cours dessus, elles sont magnifiques. Voilà, d'une délicatesse. Alors, vous vous amusez à compter les galaxies. Je ne sais pas si... Il y en a, évidemment, il y en a encore plus que tout ce qu'on peut voir parce qu'il y en a toujours plus en profondeur. Mais l'image est remarquablement belle et bien faite. Revenons sur l'éclipse de soleil du 10 juin. Donc ça, c'est le lever du soleil éclipsé en Ontario. Une nouvelle photo qui méritait d'être partagée. Il y a un album photo là, que j'ai mis en lien avec plusieurs photos de l'éclipse qui est à voir dans l'article. Ah! Oh, bah, l'image, faut que je réduise. La sonde Oprobe des Émirats Arabes Unis continue à photographier dans toutes les longueurs d'onde l'atmosphère martienne depuis l'orbite et donc à enregistrer. On savait que ça existait déjà, mais là, maintenant, on va pouvoir les suivre de manière suivie. C'est les aurores discrètes de Mars, enfin, les aurores polaires. Mais là, ce n'est pas polaire parce que souvent, il n'y a pas d'axe magnétique puissant comme sur la Terre. Il y a une manifestation d'activité magnétique locale, bien sûr nocturne et locale. Donc, du coup, il commence à comprendre pourquoi. Il faut lire tout ça dans l'article. Mais on fait plein de découvertes en ce moment, on peut le dire. Alors, la suivante. Une petite vue du ciel, n'est-ce pas, Polaris, donc l'étoile polaire. Il y a tellement d'étoiles qu'on ne les reconnaît pas bien. Ce qui est intéressant à noter, c'est Capella. Voilà, donc c'est une photo à 50 degrés de latitude nord. Donc, une latitude à laquelle Capella ne se couche pas. Elle rase l'horizon. Vous voyez, on est donc au nord. Hein. Il y a marqué Polaris, c'est pour bien nous dire qu'on est du côté du nord. Et donc, Capella qui ne se couche pas au-delà de, je sais pas, 48 nord aussi peut-être. Voilà, pour marquer le nord. Intéressant. Après, il faut repérer, vous cherchez les étoiles de la petite ours. Le fond de ciel est un peu clair. Voilà, alors là, je vais passer en un autre mode. Parce qu'il y a un panorama à couper le souffle, 360 degrés, avec les prises de vue de Curiosity, le robot qui se trouve depuis maintenant 10 ans dans le cratère Gale sur Mars, qui est à peu près à 3500 km de là où se trouve Persévérance, donc pas du tout dans le même coin. Alors, je vais voir les autres photos, puis on y reviendra. Bon, mais ça, c'est les parcours des planètes. Beaucoup, j'en ai refait. Il faudra aller voir aussi les Chinois qui mettent en ligne maintenant des photos aussi d'une qualité à couper le souffle et qu'on fait même qu'on réussit à faire plus de selfies de leur propre du déploiement du robot Zhurong que n'ont fait les Américains. Ils se tirent la bourre tous, mais chacun sort des trucs vraiment excellents. On va là maintenant. Pour faire le tour. Là, voilà, on est en direct. Là. Enfin, en direct. C'est une composition par un photographe qui a travaillé
avec toutes les images. Alors, en particulier, ce qui est intéressant à remarquer, c'est la hauteur du soleil. Il a tout fait caler en temps réel avec la hauteur du soleil sur Mars, à cet endroit-là. C'est un travail de. C'est de la bijouterie, moi, je dirais. De mécanique céleste et de photographie combinée. Excellent, excellent. Donc, on fait le tour du cratère Galle. Regardez-moi ce panorama. Jamais encore on avait eu des trucs comme ça de Mars, quoi. Donc, on voit le robot, vous voyez. Enfin, oui, Curiosity. Et on peut tourner comme ça. Ah oui, je repense aux Chinois et leur rover Zhurong. Eh bien, eux, ils ont enregistré le son en même temps en plus. Donc, vous pourrez aller voir ça. Je vais arrêter ce partage et revenir vers toi. Voilà. Ce sera tout pour les présentations aujourd'hui. À moins que j'oublie quelque chose. Non, 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 je pense que c'est déjà pas mal tout ce qui a été dit, hein, là. Oui, nous avons donc maintenant quatre planètes rétrogrades, hein, Pluton, Saturne, Jupiter et Neptune. L'artillerie lourde, quoi. C'est Ouais. l'été! Profitez de l'été! Tout le monde se met au ralenti. Même si Ouais. le temps n'a pas l'air très décidé, hein. Pff, la météo, dur, dur. Du moins à l'ouest. Enfin. Ouais. Il y a des chocs thermiques, chaud et froid. Très, ouais, et puis C'est assez amusant. c'est humide, mais Ouais. Jupiter est en poisson. On verra quand elle sortira de rétrogradation, ça changera peut-être, mais là, quand elle est devenue rétrograde, ça a accentué la flotte. Ouais. Assemblée. Ouais, mais c'est bien pour le jardin. Oh, magnifique! Et les champignons, mais curieusement, enfin, je ne sors pas beaucoup, là, j'ai mal aux genoux, mais peu de champignons, alors que beaucoup de facteurs sont favorable, mais on pourra peut-être commenter ça parce que le carré d'Uranus Taureau à Vénus Mars d'un côté et Saturne Pluton de l'autre est peut-être limitant, comme de ce Ouais. point de vue-là. Petit détail. Ouais. Bon, mais on continuera tout à l'heure. Alors dommage si t'es pas là, tu suivras le Ouais, je suis courrier. désolé. Ça marche, Michel. Je À t'embrasse. Alors bientôt. merci à tous ceux qui nous écoutent. Et un peu plus tard pour les commentaires astrologiques, je vous souhaite une très belle semaine du 1er au 10 juillet pour la dernière phase de la troisième lune de printemps. Préparez-vous bien à attaquer l'été. Yes!